Bonjour, bonjour, ici Stéphane. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo. Maria sur le match de la Ligue 1, 29e journée de match de la Ligue 1, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. Défaite du Paris Saint-Germain 1-0. Oh là 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 là, mais quelle erreur! Quelle erreur! On a vu une démonstration avec mon Portugal pendant les sélections, et là je vois une erreur. Que de la merde, que de la merde. Équipe de merde, bras cassés. Qu'est-ce que vous foutez encore l'entraînement, bordel de merde? Vous avez 2 semaines pour reprendre des forces, mais vous êtes pitoyable. Pitoyable, pitoyable. Mais c'est quoi cette horreur encore une fois? En plus, on parle des princes, quoi, chez nous. Mais c'est quoi ça encore? Bonne de nulard. Vous êtes la plus nulle équipe de l'RQSI, mes amis. Pire, pire. Que tu masturales, pire que Humanery, même pire que Pochettino, vous êtes des pitoyables. Et Christophe Galtier, dégage, tu m'as énervé avec cette compo de merde, tu nous as fait encore une fois, le Bachabou, là, faut le dégager, ce jeune, là. Dégage-moi ça. C'est pas possible, les paires de ballons qui nous a foutu. C'est incroyable, vous me cassez, vous m'énervez, voilà, Lens et Marseille reviennent à 6 points de nous, bande de broquignoles de merde, incroyable, et monsieur l'arbitre, il y avait pénalty avant la pause, là. Et la VAR, elle fait quoi encore? Elle fait quoi la VAR encore une fois? Vous m'énervez tous! Championnat de merde, arbitre français, vous êtes tous des broquignoles. Incroyable, vous m'énervez tous. Lionel Messi va à la retraite, Mbappé, pas dans le rift, Renato Sanchez, pas dans le rift, Vitinha, il s'est pas cadré. Il y a qui encore, j'ai envie de m'énerver, Verratti, arrête de fumer, bordel de merde, c'est quoi ça? Vous m'énervez tous, incroyable, zéro pointé, vous êtes la pire équipe de l'ère QSI, mes amis. Allez, et puis, on est le FC équipe à l'infirmerie, encore un blessé, c'est toujours le même, Varko Verratti encore blessé, 5 joueurs blessés dans l'équipe de l'effectif, et puis l'effectif, hein, monsieur Christophe Galtier, oh, avec 25 joueurs, ça suffit pour la saison, voilà, dans le cul, espèce de broquignole, on est dans la merde maintenant, mettre des jeunes, mais les jeunes, il faut avoir des leaders. Il faut avoir un leader de cette équipe, pas de leader de cette équipe, un mec comme Zlatan Ibrahimovic, il donnait des coups, comme Thiago Motta, il donnait des coups, Thiago Silva, il donnait des coups. Mais il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'âme de cette équipe, plus de leader, il n'y a pas un leader de cette équipe. C'est incroyable, vous me faites chier, et j'ai mal à mon cœur, à mon équipe Paris Saint-Germain avec des broquignoles cassées. Hein? Incroyable. Et aussi, j'ai envie de donner un gros coup de gueule à Khalifi, là. Il était où? On le voit plus depuis un an, là. Il est où, le président, là? On l'entend pas. Les dirigeants, on les entend pas. Et félicitations aux supporters. Mais les supporters, il faut casser maintenant. On a la mort de... Il faut crier en scandale. Les mecs qui gagnent des millions, Mbappé, Messi, tout ça, dégagez. Hein, vous m'énervez tous. Incroyable. Après mon 2 semaines, là, j'ai rencontré un super Portugal collectif. Rien à dire. Et là, je retrouve avec mon club préféré, mon club de cœur. Et là, on joue comme des poussins, comme des nullards, on s'est pris une branlée, une leçon de tactique par Laurent Blanc, hein. Pour moi, c'était le meilleur entraîneur de l'ère QSI, et on l'a viré comme un malpropre,
À part et c'est lui qui a gagné plus de titres de l'ère QSI et on le vire comme un bal propre. Hein, à péter, il faut pas oublier ça. À part, ah, oui, c'est vrai, avec l'époque Manchester City, mais ça va, ça arrive. Mais on le vire comme un bal propre, c'est incroyable. Bande de broquignoles. Hein, incroyable. Ah, vous me décevez tous. Et on va le perdre ce titre. On va le perdre ce titre. Vous bougez pas vos fesses là. On n'a que le championnat. Il nous manque maintenant 9 matchs. 9 matchs. Et vous avez ça, le prochain match, Nice. Après, dans 2 semaines, c'est Lens. Et bougez-vous, cul. Bougez-vous, cul à l'entraînement. Hein? C'est quoi cette mentalité de broquignole? Et puis les changements qu'il nous fait. Et qui rentre. Le 2 jeunes qui rentrent. Ah oui, le banc de merde qu'on a, c'est incroyable, 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 incroyable. Et vous regardez le banc de Lyon en face, hein, Craqueret, Dembélé, presque que des internationales en face. Faut arrêter les conneries quand on a le Paris Saint-Germain. On doit avoir un meilleur effectif comme ça, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Hein, avoir prêté nos joueurs. Les Icardi, les machins, il faut pas les prêter, il faut les garder. Ah oui, on n'a pas de banc à cause de Christophe Galtier, là. Hein, et puis le directeur sportif Campos, là, hein, on critiquait Leonardo, mais il fait pire que Leonardo. Pire, pire, pire. Arrêtez vos conneries, là. Même que Vert, il était meilleur. Arrêtez, arrêtez, vous m'énervez tous. Bande de sauvages, bande de broquignoles, hein. Vous m'écœurez de voir ça. Avoir ce désastre, un club, mon club, être comme ça. Vous me faites chier. Et vous m'écœurez du foot. Vous m'écœurez du foot. Voilà, allez, au revoir et au prochain match. Bye.